aujourd'hui, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un... All Mother. Oh putain, j'ai eu du mal sur celui-là parce qu'on en a jamais fait. Donc là, franchement, c'est énorme. On a bien savouré une noze. Il était cool ce jour-ci. Il était ouais, pas mal. Parce que d'habitude, on ne trouve pas grand-chose. Non. Utile pour nous. C'est ça. Et là, on a trouvé des trucs de ouf. Et même, on a fait une affaire sur un produit. Donc, vas-y, présente-nous ton petit colis. Tout ce que t'as vu. Alors, du coup, moi, j'ai pris ce petit jeu. Hop, comme ça. C'est trop bien. Et puis, on va pouvoir bien s'éclater. Dis le nom. Voilà, il l'a dit à ma place. Donc, non, ça c'est trop bien. Donc, au lieu de 9,99, tu vois, on n'a payé que 2,99€. Voilà, 0,3 ans, il y a marqué en plus. Ouais, franchement, c'est trop bien ça. Moi, j'ai trouvé des livres. En fait, je vais vous en faire voir après. Donc, là, j'ai trouvé le livre de gourmand de Cathy, Salade et vinaigrette esquise. Et il y a 100 meilleures recettes dedans. Regardez-moi ça. Vraiment magnifique. Donc vous voyez de l'autre côté, de l'autre sens, mais franchement ça a l'air super bien. Et dedans en fait, quand vous voyez, il y a vraiment les photos avec les recettes juste à côté ou même dessous. Et vous avez toutes les recettes, genre la salade grecque, hein, tomates, 12 tomates cerises jaunes, 12 cerises rouges. Et puis ils te disent quoi faire en fait, couper les tomates cerises en deux, tailler les concombres en rondelles. Tu vois, c'est vraiment très facile et ça coûtait 1€. Je ne sais pas si vous voyez bien, là vous verrez peut-être comme ça, ouais c'est à l'envers. Mais bon, 1,99€ pour ce livre-là, et c'est vraiment pas cher, j'aurais dû en prendre plus même, pour moi. Franchement, c'est cool, ça vous donne des idées de recettes, ça vous donne plein de trucs, et en plus, c'est des recettes qui sont légères, parce que c'est salade, donc c'est cool. J'ai pris un petit DVD comme ça à Lana, du coup, c'est Les ours Bounis. T'as vu Bounis? C'est Nico. Bounis. Non, Bounis, c'est Nico avec Laura. Je connais pas du tout. Nico, je connais pas Nico. Non. Nico et Laura, tu connais pas Nico? Non, et je Laura. Connais pas Nico. Nicolas Lozzina, tu connais pas? Si. Et alors, eh ben Laura, elle l'appelle Bounis. Ah bon, je le savais pas. Non, je n'étais pas au courant. Et c'est vrai que tu t'es arrêté sur cela, moi j'avais pas compris au départ. J'ai dit, mais pourquoi tu prends des DVD? Parce que tu les avais vus, t'as direct, tu t'es arrêté. Et même il y avait Halloween aussi. On a hésité de le prendre. Ouais. Mais il était un petit peu abîmé, j'ai vu au niveau de la pochette. Enfin, mais c'est pas la pochette qui s'est abîmée, c'était le truc. Et donc, on recommence. Donc, moi, j'ai pris un deuxième livre. J'ai l'impression qu'il est plus rempli, il est plus large. Je sais pas, ils ont piqué des feuilles. 400 calories ou moins, maigrir tout en se régalant. Et ça, c'est le tome 2. Là, je sais pas quel tome, c'était même pas un tome. Regardez celui-là comme il a l'air bien. C'est pareil. Et sur cela, c'est vraiment les 400 calories ou moins. Donc, maigrir tout en se régalant. Donc, des fois, nous, si on a envie de maigrir à un moment donné, on peut prendre les recettes dessus. Et c'est pareil, regarde comme elles ont l'air bonnes. Je sais pas si vous voyez bien. Et vous avez les recettes dessous sur celui-là. Et même sur les côtés. Voilà, vous avez les petites les images, tout ça. Et celui-là, pareil, hein, il a l'air super bon. Regarde, burger de veau. Hein. J'ai vu même une pizza. Pizza au poulet et tomates cerises, vous voyez. Et il vous fait voir comment manger sain, en fait. Manger une pizza sans forcément grossir. Et ça, c'est cool. 400 calories, c'est pas beaucoup. Hein. Franchement, ça va. Hein. De base, dans une journée, on doit faire 2800, je crois. Donc, franchement, ça va. Pour les hommes, hein. Après, pour les femmes, je sais pas. Voilà. Bon. Voilà, c'est 100 meilleures recettes, tout pareil. Voilà, trop bien, 1,99€, tout pareil, et c'est vraiment super cool, ça j'adore. J'ai pris un autre jeu, voilà, c'est des genres de quilles avec des petites boules. Cagaspel. Hop, voilà. Attends, je vais peut-être vous montrer comme ça. Cagaspel. Voilà, et il faut shooter dedans. Et c'est trop bien. C'est vrai que c'est pas cher ces trucs-là, en plus t'as même pas des prix. 2,99€. Ouais, franchement, trop cool, hein, vous avez vu ça? 2,99€, pareil, au lieu de 9,99€. Et c'est la même chose en fait, mais celui-là il est plus gros. Non, franchement. C'est pas la même chose. Non, mais c'est la même chose, je veux dire, c'est la même marque. Ah. C'est Game Set In Match. C'est pas mal, vraiment ça, c'est pas mal, c'est vrai que tu l'as bien vu. Même moi, je l'avais repéré, je l'avais regardé, j'avais rien dit à Sophie, mais ouais, je l'aimais bien ce truc-là aussi. Bah, c'est bien pour les enfants qui veulent jouer au dans le jardin. C'est vrai, non, franchement, c'est cool. Et là, moi j'ai trouvé quelque chose, mais quelque chose qu'on a arnaqué de fou et j'ai trop kiffé. En fait, j'ai vu le truc, il était même pas dans le bon rayon. Donc, comme vous pouvez voir, c'est un casque. Casque blanc, donc après je sais pas si on peut choisir la couleur, j'ai même pas vu. Ils se ressemblaient tous, je crois. Donc voilà, et c'est le casque compatible PS5. Bon, pour les femmes, je pense qu'elles n'ont rien à branler, elles se disent hein, pas de ça chez moi. Donc voilà, casque filaire gaming 1m20. Donc moi ça pourra pas aller jusqu'à là-bas, 1m20 c'est trop petit. Ça fait à peu près ça, 1m20, c'est comme ça. Mais ce sera bien pour le casque avec la manette qui est là, tac. Vous voyez, pour ceux qui s'en foutent, voilà. Pour les mecs, hein, pour vos hommes. Voilà, et en tout cas, celui-là, c'est le casque filaire Gaming X10. Donc, si vous voulez aller le chercher, si vous l'avez dedans, achetez-le. Moi, je l'ai eu à 3,99€. Regardez, je ne m'imite pas, hein. Je ne sais pas si vous voyez très bien, mais c'était 3,99€, vous le voyez à l'envers. Et ben,
il était de base à 6 euros. 5,99. Franchement, je me suis dit, oula, il dort une couille. Mais même en regardant sur le ticket de quête, il y avait marqué casque filé. Et sur l'autre, c'était les mêmes en plus. C'était exactement les mêmes. Et c'était la même chose. Et comme vous pouvez voir maintenant sur Action, maintenant ils mettent, dans notre Action à nous, ils mettent du scotch partout autour pour pas qu'on le vole. Mais bon, faites attention parce que si vous voulez le revendre, ben, la boîte elle est niquée. Hein. Franchement, tu veux revendre quelque chose ou quoi que ce soit, ah ben pour les revendeurs, hein. Allez, et top. Donc voilà, franchement, ça trop bien. C'est la meilleure chose que j'ai eue. Hein. Franchement, j'ai trop kiffé. Trop kiffé. J'ai niqué Noz. C'est leur faute, hein. Le pire. Et le pire, c'est que c'est pas quelqu'un qui l'a recollé, t'as vu, c'est que c'était scotché par-dessus, quoi. Donc vraiment, ils étaient sûrs du prix. Donc c'était fou. Et ensuite, pour le dernier article, voilà, j'ai pris un DVD pour Maë. Voilà, c'est des gymnastes. Waouh! Gymnastes. C'est ça, hein? Ouais, ouais, c'est des gymnastes. Ouais. Une seconde chance. Voilà. Vu qu'elle aime bien la gym, tout on ça. Voit rien. Ouais, tu voyais pas toi non plus. Là, je voyais rien. Très bien. Donc voilà, un petit DVD. Vous pouvez trouver de tout là-bas. Non, c'est vraiment excellent. Il y a des moments où il n'y a rien. Il faut le dire ce qu'il y a. Il y a des moments où c'est nul à chier et c'est super cher. Et il y a des moments où vous trouvez des petits trucs comme ça et vous disiez, waouh, c'est trop bien, on a trouvé des petits trucs pas trop chers, on en a eu pour 19 euros. 19 euros, ok, quoi. Tout ça, hein. Et je trouve ça pas trop cher. Et encore une négociation pour le casque. Donc ça, c'était bien. Voilà, et on a même récupéré des cartons pour les ventes Vinted, pour ceux-là qui veulent acheter aussi sur Vinted. On vend des choses, ouais. Hein, pour ceux-là qui veulent. Donc vous pouvez aller voir dessus, on vous les mettra dans la description. Voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Première pour une Noz, c'est énorme. Première vidéo de Noz, ça fait plaisir quand même. Hein, ça fait tout bizarre. On sent un peu que c'est nouveau. Pas du tout. Non, voilà, c'est un peu nouveau, c'est cool. Vous avez un peu de renouveau sur la chaîne et c'est bien. N'oubliez pas de mettre les pouces bleus, les commentaires et surtout de vous abonner. Allez sur Insta, c'est très important. Et d'avoir la description, il y a les Vinted. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'est Sophie et Marc, ça. Blah. Salut tout le monde. Ciao.